Yo les gars, allez, on va se faire un petit vide-grenier. Ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas fait. Petit vide-grenier spécial enfant. Donc on va voir ce qui va se passer. Allez, je suis con, moi, je regarde genre ma montre pour vous dire l'heure, mais j'ai pas de montre, je suis con. Non, non, il doit être, j'ai même pas vu l'heure. Bon, il doit être peut-être 9h15. Ça ouvre à 10h, donc on va voir si c'est déjà ouvert. Je pense que oui, hein. Je pense que c'est déjà ouvert. Et je pense que c'est déjà ratissé aussi. Bon allez, vas-y, on va voir. Et puis je vais essayer de filmer des petits trucs. Allez, à toutes. Donc, garder les objets dans leur boîte, ça leur fait pas perdre leur valeur. Je fais le tour. Bon les gars, ça y est, j'ai fait ma petite brocante. J'ai pas trop filmé. Bon, c'est une brocante enfant, alors ce que j'ai trouvé, c'est surtout pour le petit. Mais j'ai pas trop filmé. Donc ça va être présentation et compte rendu direct en fait. Bon, bah, c'est parti, alors on va voir tout ce que j'ai trouvé. Alors j'ai tout eu pour 15 euros, je me souviens plus des prix, mais j'ai tout ce que j'ai pris là, ça m'a coûté 15 euros au total. Ça, c'est pour Madame Lalamerde, il lui manquait. C'est le numéro 46, hein, toujours sa collection Disney. Il n'y en avait pas des masses, hein. Enfin, il y en avait du Disney, mais comme elle a une grosse collection, on a déjà la plupart des choses. Donc le Winnie l'ourson, elle ne l'avait pas. Ça, c'est pour moi. Voilà, Zazie Zestoff. Pour écouter dans la voiture, j'aime bien Zazie. Donc voilà, c'est son Zestoff avec ses meilleures chansons. On va écouter ça en rentrant, ça fait plaisir. Et après, je vais regarder dans le gros sac. Alors, la plupart des trucs qu'il y a, c'est pour le petit. Hein. Ah, le gros Buzz l'éclair! Oh là 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 là, il est. En plus, il a ça, genre il tire, ta 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 ta. Et ça se ferme. Tac! Voilà, le gros Buzz l'éclair! Ah, je pense qu'il va être content avec son gros Buzz l'éclair. Après, j'ai pris un petit Iron Man articulé. Voilà. Tac! Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un DVD, je crois que c'est ouais, c'est pour moi celui-là. J'ai même pas vérifié à l'intérieur s'il était. Ouais, c'est bon. Bon, c'est pas du tout un grand film. Hein. Le Scary Movie 2. J'avais le 1, mais j'avais pas le 2. Alors, je vais pas faire le full set Scary Movie. Hein. Je crois qu'il y a 5 ou 6 films. Ça m'intéresse pas, c'est des films de merde. Mais le 1, j'avais envie de le revoir. Ça passe encore. Et le 2 encore. Ça allait, quoi. Ça allait, le 2. Donc voilà, le petit Scary Movie 2. Ça, c'est pour moi. J'adore Scooby-Doo. Alors, une BD Scooby-Doo, c'est ma première BD Scooby-Doo. Je vais pas non plus faire le full set, moi. Mais voilà quoi. Donc, bon, petite BD Scooby-Doo, je vais la lire. On va voir si ça va me plaire ou ça va pas me plaire. Après, en boîte, un Power Rangers, le rouge, le chef, le patron. Go, go, Power Ranger. Lui, c'est le chef, lui. C'est le boss. Et le truc qui va coûter le plus cher, je m'en souviens, c'est ça, c'est 5 euros. Il a le T-Rex, mais maintenant il a le Triceratops. Regardez-moi ça. Un petit Triceratops. Il est énorme. Ah ouais, il y a ça aussi, le mec qui m'a dit pour arrondir. C'était pas avec ça, c'était avec le Power Ranger. Pour arrondir, c'était 1,60, je crois, pour arrondir. Il m'a dit, allez, pour 40 centimes, je te donne. Prends-en deux si tu veux des hand spinners, c'est ça que ça s'appelle? C'était très à la mode à l'époque là. Des spinners, des hand spinners là. Un truc avec le doigt. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, j'en ai pris deux. Pour arrondir, c'était vraiment. Je lui ai dit, hein, je lui ai dit, c'est vraiment pour te faire plaisir. Enfin, c'est vraiment pour vous faire plaisir hein, parce que il n'y a rien d'autre qui m'intéresse.
Attendez, je range ça. Donc bon, je lui ai pris des hand spinners. Voilà, je crois que j'ai tout rangé. Et oui, il me manque juste un truc encore que je ne vous ai pas montré. Ça par contre, c'est une collection que j'ai décidé de faire maintenant, de me lancer dedans. Alors c'est dans mon portefeuille. Voilà, c'est là. Hop. C'est une collection. Alors vous allez trouver ça dingue. Je vais me lancer dans une collection de cartes Pokémon. Alors une collection de cartes Pokémon Magikarp. Donc voilà le premier. Holographique. J'en ai à la maison, ça se trouve je l'ai déjà. J'en ai que une à la maison. Moi je suis pas sûr, mais bon, faut que je vois. La holographique Magikarp. Et voici la deuxième. Ou alors c'est celle-ci que j'ai, je sais plus. Je sais pas combien il y a de cartes Magikarp dans les cartes Pokémon. Je vais essayer de me lancer là-dedans. Voilà, les deux cartes Magikarp. Alors c'est cool parce que ça va pas me coûter bien cher. Hein. Parce que les Magikarp, tout le monde s'en fout. À part moi, tout le monde s'en fout des Magikarp. Donc une collecte carte Pokémon Magikarp, ça va pas me coûter bien cher tout ça, mais je suis content, faut se contenter de peu. Bon les gars, voilà, fini pour cette petite brocante, vraiment mini. En plus brocante de jouets, hein, donc bon, normal que je trouve que des trucs de jouets. Eh bien je vous dis à une prochaine vidéo, hein. Je continue les vidéos Spider-Man, donc là on est sur la fin, on va battre Otto Octavius, c'est fini, hein, on va finir le jeu. Après on va faire le DLC et puis l'objectif c'est de finir le jeu à 100%, c'est vraiment un objectif, j'essaie de m'y tenir, hein, pas abandonner comme d'habitude, donc j'essaie de m'y tenir à cet objectif et après je sais pas sur quoi on part, il faut que je finisse Monkey Island, le 1, puisque là, là les gars, dans une semaine, c'est ça, lundi 19, il y a le Monkey Island, retour à Monkey Island, donc le vrai numéro 3 créé par les créateurs d'origine, les artistes d'origine. Alors c'est le vrai numéro 3, donc bon, on va se le faire, ça je l'ai acheté c'est sûr, et on va se le faire aussi. Et puis peut-être qu'on se fera la saga Monkey Island en totalité dans le jeu, avec tous les jeux. Donc voilà, je vous dis à plus, et à bientôt, portez-vous bien.